salut à toi. 14. Ah, 14 déjà, je suis en compagnie de Adjoint Carton. Ça c'est mon petit adjoint, c'est pas possible. Et en compagnie de Apprenti Carton, donc ça c'est l'apprenti de Adjoint Carton. Salut à toi. Salut, salut. Donc en fait on est avec ADR, Sticky et Pupi. Voilà voilà, donc nous on va aller vendre un peu de gras parce que c'est la neige, on a 10 000 euros. En plus que je démarre mon tracteur, ce serait encore mieux. Pareil que c'est bien. Ouais, il paraît, mais c'est après, d'après ce qu'on m'a dit, d'après mes calculs. D'après le théorème du Pythagore. Ouais, j'ai enlevé, normalement j'ai mis le... Qu'est-ce que tu nous emmerdes avec ton Pythagore aujourd'hui, toi? Pythagore a dit que quand tu casses une presse, faut la réparer. Pythagore a dit que quand c'est un triangle rectangle, Pythagore ne travaille que dans des tags, on me l'a dit. Chef Carton a dit qu'on ne parlait pas de géométrie. On me l'a dit toute l'année, ça. On me l'a répété toute l'année, ça. Théorème de Pythagore. Alors on parle de Thalès. Thalès, c'est pas de la géométrie, donc on parle de Thalès. Thalès, c'est des... Non. Là, là. Oh. Ça lag. C'est à moi. Désolé. Ah, t'as fait quoi? Les feux. Les discothèque. Disco. Tchou. À zéro. Pour te situer un peu le délire. Seul délire. Il est où le respect? Respect! C'est moi le délire. Qu'est-ce qu'on charge? On charge peut-être du coltan, on a que ça en stock normalement. Ok, ben je vais m'occuper de charger, on va prendre notre petite occasion qu'on vient d'acheter. C'est quoi que t'as? Un Fiat 90-90 ou 90-90. Pour les Français. Fiat, on l'a eu d'occasion à un fermier là, il s'en servait plus parce qu'il a arrêté sa ferme, donc il nous l'a refilé en fait. Bah c'est sympa, on a payé 15 000 d'occasion, franchement c'est un très très bon tracteur. Combien d'heures déjà? 7000 heures je pense. Ouais, 7000. Oh, il va tourner comme une horloge le petit. Ouais, bah ça c'est le bon tracteur là. C'est toi le petit. Bon, je mets mon gaz, bien. Nickel. Par contre, il faudra revoir un peu sur le réservoir du gaz, puisque... Nickel. Voilà, hop, on arrête le tracteur. J'ai chargé une benne, chargé l'autre peut-être. Il faut que je déplace mon New Holland. Ça va? Non, il est bien, mais mon New Holland. Bon, bah, je le laisse là. Je regarde, charge. Ah, c'est quoi cette vue? Ah oui, il y a une vue sur la masse. Ouais, ouais, il y a encore d'autres vues ici. Hein, ils ont mis des GoPro en fait. Pendant ce temps-là, je vais déjà aller chercher le télescope, peut-être paillé. Déjà, parce qu'on a paillé. Ah, d'ailleurs, ici. J'ai rajouté la 864 comme celle-là, je vais acheter neuve chez le concessionnaire directement. Bon ben 90 000 euros, mais ça vaut son prix. Hein. Le seul souci c'est qu'on doit arrêter la presse quand le ballot est fait. Quoi. C'est un peu plus. Ah ben c'est comme mon Android qui est venu balloter hier. Ouais, c'est ça. Tu as la tente et des tâches. Ah ouais. Toi-même tu sais, Stick. Ouais. Ah ah, il sait Sticky. Ouais. Sticky, c'est rien. Bon, il n'a jamais rien su. Mais non. Bon, je vis dans une maison, pas dans des tentes. Oh, il a su. Non, là, pas tout de suite. D'accord. Non, vraiment, non, en vrai, comme ça, ouvre la porte. Il a fait ça, là, quoi. Oui. Oui, maman, Adair. D'ailleurs hier quand j'ai fait non je l'ai connu via via Skype. On joue ensemble. Ouais mais quand je lui ai dit via Skype, elle m'a regardé, j'ai fait ouais on joue ensemble tu vois. Elle m'a fait ah ok. Bon je vais peut-être prendre Tu crois qu'ils ont besoin de combien de ballons? Parce qu'elle est pas encore l'air de Skype en fait. C'est, elle est à l'air ou elle connaissait pas encore MSN à mon avis. D'ailleurs tu penses qu'avec combien de potes? Moi je ne pense pas. Ah, bah, il agit lui. Ah, bon, ouais, j'agis sans chat, mais j'agis quand même. Ouais. Il dit quoi loin, ah. Il réfléchit avec la chat, mais il ne fait rien. Voilà. À choisir. Nickel. Bon, on va appeler la pailleuse qui est accrochée sur le beau petit Renault que ADR, première fois qu'il non, a. Non, Sticky, pas comme ça. Hein? Pas comme ça, Sticky. Je vais comme ça, toi. Mais non, ah, mais moi je vais remonter après. Parce que je ah, merde, excuse. Oh, voilà. De toute façon, Pipito, c'est pas lui qui pressons.
va aller dans le télescope, voilà. Donc waouh, un dinosaure qui a parlé. Mais non, mais pourquoi tu réagis pas, Wallon, tu m'ennuies là. Ah oui, c'est et que les abonnés vont dire ils sont pas à peine fous. C'est des belges après. Oh oh, bon ben les amis, tous ceux qui sont belges, vous voyez que c'est qui. Merci de votre compréhension. Oh. Il y a d'ailleurs qu'on avait fait ton concours, on avait réussi à mettre 20 bots, 18 bots sur la truc. Non, 23 je pense. 23 bots. Ouais mais je veux dire 23 ça a tenu pendant 12 secondes. Ça quoi? Ça a tenu pendant 12 secondes. Bon ça a tenu quand même, c'était le principal. Ouais. Bon bah on va aller voir, normalement avec 5 bots je pourrais pas y aller les trucs complets, comme ça on peut le faire. Donc Hop. Ah oui, j'avais oublié que... Non mais la vue elle est sympa mais on voit rien quoi. Bah à chaque fois ouais tu dois appuyer plein de fois sur... Par contre les amis je vais juste changer de tracteur là parce que le Renault j'avais oublié qu'avec 5 bottes il en avait un peu marre. Donc on va prendre... RP. C'est normal, on est arrivé à moins 50 roues. Ah mais toi c'est parce que t'es pas admis. Normalement nous on est... Bah 10 000. 1000 euros. Parce que quand même... Par contre, pourquoi est-ce qu'il tu mets le temps x5 en fait? Ah oui, j'ai pas touché à ça pour une fois. Bah alors, je sais pas c'est qui. Non, moi je le vois en fois. Hein. Non, aussi. Oui, parce que je viens de le diminuer. T'es sûr? Ouais, je te... T'avais pas une des synchro toi par hasard? Non, j'ai pas des synchro, je sais combien il est en x5. Je sais pas, moi j'ai pas touché, j'ai beaucoup la ville, elle est au bout. Ah bah, c'est parce que je dis ça parce que. Donc, toi t'avais touché. Ah, ça. User joined your channel. Au revoir, dire. C'est juste que j'ai appuyé sur mon G27. Oh ouais, moi ça m'a fait chier le truc quand je jouais à UT sur mon live, chaque fois je suis tiré alors j'ai directement coupé les touches. Bon, par contre, vous voyez un peu, donc le Renault il en chie, enfin il en chie à mort, mais là le jeu. Il chie quoi, liquide ou dur? Oh là là. Et franchement, les amis, on a rangé avec. Dur avec un peu de merde coulant. Ouais, mais Stick, on va pas relever cette blague parce que si elle se relève après, il faudra qu'elle retombe. Et franchement, c'est sympa le truc au cochon, les lumières et tout, c'est bien. Non, putain, les potes. What the fuck you, je suis plein. Bon, tu veux pas pailler? Non, je dis ça, Wallon, mais ça fait 10 minutes, même si ça fait que 8 minutes que j'enregistre, c'est pas ça le problème, mais ça fait 5 bonnes minutes que je suis occupé à charger, là, j'en ai un petit peu marre. Bah attends, termine. Voilà. Ouais. Termine, je vais vider les deux bennes, et après je reviens et tu re-remplis, c'est non, ça? Non, mais tu remplis. Merci bien. Tu Coucou! T'as déjà rempli une benne, là, en fait. J'ai rempli les deux bennes, il croit que je chôme. Eh, moi j'ai rempli une trémie, je verrai la benne, elle est pleine. Mais pourquoi t'as rempli une deux? Ah, mais c'est qui est là? C'est Bah, c'est moi! Merde! Putain, non! Oh, je vais retrouver une deux. Par contre, il y a un truc qui est très mal fait avec le. Enfin, très mal fait, on va dire mal pensé en tout cas, c'est d'avoir mis les rétros au mauvais endroit. Sur la bon, place. Bah, les gars, on va s'en planter et j'ai une des sacs aussi. Pourquoi il y a une pailleuse qui paille son paillet? Tu dis une seconde. Oui, une seconde, t'en perds beaucoup à ta demande. J'en ai marre des coupures à faire. Mais ben non, ça va, t'as la touche magique. Non. Tu sais qui synchro? Oh. Ah là 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 là, des synchros, j'en ai eu assez des synchros. Deux, désolé, hein, c'est le bouchon là. Ouais, je veux une benne. C'est où les trois bennes? Ah, il y en a deux qui sont avec eux et moi je suis parti vider. Ouais, bah il est parti vider, nickel. Bon, bah je recommence. Bien sûr, évidemment, je vais pas recommencer. Ça va être trop beau, Nick Taras. La belle glissade. Ça lui dit pas de... Oh putain, je suis pas dans la merde. Pépi, tu peux reculer, tu sais. Hein. Merci, c'est bien gentil. Je vais la vider, je te l'amène ensuite comme ça. Vas-y, je fais un créneau. Wouhou! Ouais! T'as vu ça, Pipito? Ça, c'est du giré. Alors Roland, t'as essayé de réintroduire ta vidéo, mais Sticky t'a complètement coupé ouais, avec son créneau. Coupé. Merci Sticky. Vas-y, mon créneau était plus beau que ton intro. Oh, j'aurais pas aimé. Par contre, t'as l'air que t'es parti. Ouais. Je ne traîne pas, mon monsieur.
peux avoir une baisse s'il vous plaît, moi je suis plein du perron. Par contre c'est moi ou la Gilbert elle fait un petit peu glisser le T6. Par contre j'ai juste mettre en la limite de façon on s'en fout parce que le temps que vous avez... De toute façon il y a une map qui, que j'ai remodifiée. Le temps d'avoir tous les modes. La mode. Ah les modes. Je vais vider à veuve alors. Bah ouais. La veuve. Ouais. Un petit truc bien sympa. Donc il est en train de s'amuser à faire les 360. Chef carton. Oui carton man. Non moi c'est carton de lait. Salut. Mais là je vais ranger mon camion. Oh le bug de la benne il marquait une 96% et il y a 80. Elle est pleine en fait, d'accord. Bon, on a 46 000, nickel, on peut les en prendre. T'as mis la partie en facile? Non, normal. Mais quoi, t'as une forte demande? Non. Bah, je pense pas. Peut-être. On avance sur le temps de tout à l'heure, j'ai pas fait gaffe. D'accord, j'ai appuyé sur A pour guider, c'est passé de 96 à 100 pour redescendre plus tard, d'accord. Super. La logique. Mais il va encore te dire qu'il a pas de dessin crew. Là c'est pas une des synchro, c'est un bug de la benne. C'est un bug de l'infini. What the fuck? Ah merde, la benne qui elle c'est est que j'ai vidé? J'ai vidé la plus grosse moissonneuse. Ce que tu veux. Eh hey, les gars, la benne, elle est vide, quand vous guidez à même, les gars, faites gaffe de pas faire bugger la benne parce que la benne en fait elle est en collision avec le toit. Il faut avoir bien gaffe en fait. Oula, y'a un mec qui passe avec un enlaineur là. Oh. Sticky qui passe. Mais qui est complètement jeté, Sticky? Mais pourquoi tu viens en donner? Ah mais en fait il y a que moi qui tourne là. Mais je suis vide, je suis plein du paiement donc moi je travaille pour l'instant. Mais pas travailler, pas en donner. Mais je vais en donner les andas pour faire un anda. Bah ouais. Putain le mec là, avec la presse John Deere, je peux te dire que là. Voilà. Ah on va travailler. Le mec. Allez en dette. Par contre pourquoi je suis pas vidé? Mais elle est déjà vide ta moi ce bat là. Laquelle? Bah c'est la roue. Je sais pas moi. Par contre, je laisse mon tracteur là. Pour ceux qui ont besoin d'un tracteur, j'en ai rapporté un. Nickel. Bon, hop, on va aller les animaux. Tu viens des. Mais je viens de vider sa moisson. Je vais voir s'il n'y a pas un. Parce que le truc, c'est qu'il m'a pas rempli complètement à fond. Donc, je sais pas, il devrait peut-être moissonner mais encore. Un moisseau, peu. Alors, ouais, je vais travailler, t'inquiète, attends. Je suis maligne, je suis à toi. Mais elle est vide complètement. C'est juste que. J'ai pris 12 tonnes 320. 329. Tu vas peut-être vider la benne. Bon ok j'y vais. Un très bel ensemble John. Mais il est passé où mon John Deere? C'est qui l'enfoiré qui a pris mon John Deere? Je l'ai pas moi, je touche pas ça. Ah là, sérieux, il y a ah, cette chose. Ah d'ailleurs ça touche au John ou quoi? Non, je ne touche pas à John. Tu fais des tâches dans la tente mais moi je ne touche pas à John. Non mais allez, sérieux, il est passé ce contracteur. J'en sais rien, moi je l'ai pas. Demande à apprenti carton, carton de lait, il n'a qu'un agnolan. Ah ouais. Ah oui, c'est vrai, il a la pailleuse. Bon attendez, j'achèverai de pailler après. Je sais, ça fait un gros bordel, mais bon, c'est pas grave. Envie d'aller tester. Ah d'accord, ça vite maintenant. Mais putain, il a que ça, vite quoi. Allez, vite-moi le ballon, c'est réglé. Comme par magie, là, ça va mettre la capacité de l'eau maximale et t'as suffisante pour nourrir pendant 6 jours. C'est bon, je suis vide. Je sais bien, mais je remplis à fond, je suis à 88%, donc... Nickel, bon bah on va aller coucher la presse, les amis. Nouvelle presse. Ouais, nouvelle presse. Est-ce qu'en vrai, on peut en donner du foin? Ouais. Non, de la paille, tu veux dire. Ouais, de la paille, excuse. Ouais, tu peux. Je sais pas, j'ai jamais vu ça, c'est pour ça. Ah ouais, il n'y a rien qui t'empêche de le faire. Ouais, parce que par exemple, s'il appuie sur la paille pour la réaérer. Ouais. Ré. Il rare la paille. Bah, il monte à combien le John? Ouais, qu'à 5 ans, quand même. Nickel. Ah là là. Un petit lag. On a combien de minutes de vidéo en fait, d'ailleurs? Ouais, 15.
Okay, parce que moi, vu que j'ai dû faire une coupure. Ouais, parce que toi, tu rares Rafale. Voilà. Et je rares OBS. Bon, on va tester ça tout de suite. Donc là, théoriquement, c'est mis en 180. Nickel. Donc là, on pourra faire des 180 cm là parce qu'il en a marre d'être petite. Donc sur la presse, vous pouvez. Mais t'es où avec ta presse toi? Je suis au champ. Vous pouvez. Quel champ? Là au champ, je te vois pas, moi. Bah non, moi je te vois pas. Bah c'est normal, je suis descendu. Vous appuyez sur O. Non, mais je ne vois pas ton putain. Ah, il est là-bas. Les panneaux latéraux. En tout cas, c'est un peu mal fait. Latéral. Non, un panneau latéraux. Je sais, je vois s'il suit en fait. Bon, là, il y a des ficelles, donc c'est un peu mal fait. Ici, vous pouvez remplacer votre ficelle en pure X ou R. Non, c'est R, voilà. Donc ici, tous les 50 bottes, vous devriez remplacer votre niveau. T'es sûr que c'est 50? Ouais, c'est 50, il était marqué sur le site. Là, vous appuyez sur ces quatre touches là. Passer en mode transport, voilà. Donc sur X, vous mettez le pick-up là, vous les mettez. Nickel. Ouais, mais c'est les mêmes fonctions que sur celle du 2013. Hein. Ouais. Est-ce que c'est une conversion ou est-ce que c'est une nouvelle? Je sais pas si tu me suis là, on va faire une botte. Non, non, il n'y a pas le script pour l'instant. Dommage. Hop. Par contre, le pick-up il descend trop bas. Hein. C'est pas le régler. Par contre, mon pick-up il prend rien du tout, ça, ouais. Peut-être qu'il y a un truc à activer. Attends, je regarde. Désactiver PC ramasseur, ouais. Ben oui, y'a rien à activer d'autre, pourquoi il veut pas me... You what? T'apprends là. Elle fonctionne bien la poste John Deere, hein. C'est John Deere, hein. Ah, mais regarde, ça a l'air de ramasser... Ça ramasse du blé. Fais voir. What the fuck? Attends, attends. Mais c'est du blé qu'on fait. Non, non, mais ça ramasse du blé. Mais fais voir. Attends, je la remplis juste pas. Et tu vois que le taille se ramasse ou quoi? Non, non, y'a rien du tout, y'a pas de taille qui se ramasse. Ah ben moi aussi. Je vois la presse, attends. Attends, moi je vois la presse qui se remplit, voir si c'est vraiment un ballot, si c'est un bug de killer. Le serveur a ses yeux fonctionné. 60, 70, 80, 90. Est-ce qu'elle fait bip bip? Ouais, ouais, elle fait bip. Voilà, nickel. Alors là, on appuie sur. On appuie sur. N. O. Je sais pas. O. Vraiment, c'est O, hein. Ah, mais je vois plus sur O, ça me fait rien. O. Ah, peut-être la désactiver. Plutôt, je suis d'inconnu, je suis à toi. Ah, il teste un coup, mais je peux rien faire. C'est lui qui l'a fermé. What the fuck, c'est quoi ce bug de la presse? Merci Frabel. Voilà, ça active, nickel. Tu es sûr qu'il y a des ficelles? Mais bah, ils disent oui, mais normalement, moi j'en vois pas dans le magasin quand j'appuie sur P. Hein. Tu sais, normalement, je peux pas les acheter. Non, ça marche pas. Ouais, tu vois. Alors soit t'es les buggé sur cette verse, hein, cette putain de presse, ou alors y'a un bug. Ouais, non, je suis pas en multi. Bah oui, c'est ça qui doit voir. Et pourtant, il me semblait que la vidéo que j'avais vue, elle était en multi. Bordel de merde. Ah, bon, mais ben, non, elle fonctionne pas ta presse. Bon bah je vais la revendre comme ça. Rapporte-la au concessionnaire. Bon, c'est pas grave, je prends la flemme. Je veux dire qu'il vient directement la chercher. Voilà, il vient la chercher. Il y a plus vite que l'éclair. Ouais, ça peut plutôt calculer, hein. Ouais, mais tu vas acheter quoi comme presse maintenant? Enfin, on va acheter quoi comme mais y'a qu'une presse? Oui, y'a une presse. Y'a classe. Ouais, y'a la quadrant. Ouais, la quadrant. Ouais. Mais faites gaffe, y'a un Andao et j'en ai regroupé 5 avec. Là, y'aura des boules. Attends, on m'explique pourquoi j'ai pas mis le drive control qui écrase les cultures et sticky et quand il en dead, il arrive à arracher le truc. Ouais, j'ai. Bah, j'ai arraché. Bon, moi mais... je vais vider votre truc. Oui, au niveau de l'endemeur, je vois des trucs à faire. Quoique, adjoint carton, je veux bien un petit peu, encore un petit peu de grain histoire que je sois complet. Vas-y, je te remplis mon petit chou. Hop, donc on va aller chercher. Toute nouvelle mélangeuse là que je. C'est tout, t'avais pas plus que ça? Non. Oh. C'est Pipito qui a le plus. Moi, je suis un petit encore. Voilà.
C'est Pipito le petit vieux. Donc Wallon il parle beaucoup. Ouais, ouais. Donc non, que j'ai fait aussi, car... comme je vous ai dit, je sais plus, oui, dans l'ancienne vidéo, je vous avais dit que il y avait plus de balles, j'en avais pas fait beaucoup parce que pour pas qu'il s'appelle. Vidéo, j'étais pas là. Non, pour expliquer la blague de l'épisode qui saute chez moi, en fait, c'est tout simplement parce que on avait été convenu d'une heure avec Wallon pour tourner. Et moi, pour moi, j'avais décidé qu'on avait dit 20h. C'était le jour où j'avais reçu mon PC portable. Et en fait, non, c'était pas 20h, c'était 18h. Et du coup, Wallon m'a envoyé des messages et je les ai vus qu'à 8h, à 18h15. Ils avaient déjà commencé à tourner. Donc, j'ai pas tourné l'épisode. Voilà. En fait, après, il m'a dit ouais, prochaine fois, appelle-moi. Donc, je l'appelle la prochaine fois. Ouais, le truc, tu m'avais envoyé des messages et tu m'auras appelé, mais je l'aurais vu. Alors, donc, ce qu'on va faire, donc là, on a la mélangeuse. On a du maïs. Ce serait bien que tu viennes m'aider ici pour la remplir. Bah, avant de remplir ça, je vais terminer de pailler les animaux. Oui, ça glisse. Le Fiat, tu l'as mis où en fait? Je l'ai rangé. Attends. On cherche après. Je l'ai rangé dans la cour avec les grains. T'es là-bas? Ouais. Attends. Putain, sérieux, j'en ai mordre. Mais moi j'aimerais bien aborder un truc avec les gens, c'est-à-dire qu'il y a une chose qu'il faudrait savoir, c'est qu'il y a des gens, ils me disent ouais mais, par exemple hier j'avais fait une vidéo sur de l'endénage. Non, c'est pas par rapport à l'endénage en plus, c'était par rapport au ballot que t'avais fait des photos du ramassage de ballot qu'on avait fait, et il y avait un abonné qui fait mais vous les ramassez seulement maintenant? Alors faut savoir que nous en Belgique, la paille, le blé est mûr qu'à partir d'août. Genre les premiers jours d'août, c'est encore limite peut-être. Il y en a peut-être que certains, ils sont peut-être déjà en train de... Peut-être pas encore préparer le maïs, mais pas loin quoi. Donc on est décalé, mais c'est pas non plus... C'est normal quoi. C'est juste que c'est la période qui est comme ça. Vous êtes en avance sur nous, ou on est en retard, ou... Vous voyez ça comme vous voulez, mais... Ouais. C'est pas anormal. J'avais pas vu ce truc là, ton commentaire là. Non mais il est... Par contre, moi ça m'énerve en fait, les amis, ce qui vient de se passer, ça veut dire que là vous aurez. Enfin, il y aura. J'ai déjà fait 3 coupures en fait, si vous voulez. Pour enlever la TH, c'est le bouton Alt 1. Et alors, je sais pas pourquoi, OBS maintenant, quand je fais retour Windows, il plante. Donc, à la place d'appuyer sur Alt, j'appuie sur retour Windows, bingo, ça a planté. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu. Pour une fois, j'ai fait ça. Mais j'offre un kilo de pommes de terre, Charlotte, au celui qui compte le nombre de fois où Mister Wallon dit ami. Donc les amis, voilà, un kilo de pommes de terre offert. Bah je peux pas dire amis. Mais non, mais donc les amis. Tu sais, tu dirais donc. Voilà. Ce serait la même chose. Donc, je viens de couper. Voilà. Oh, le respect, il est parti. Le respect. Et attention, j'ai Chef Carton qui l'a dit. Les gars. Là où vous avez ramassé avec votre John Deere à la con, ça passe plus maintenant les ondes. Ça ramasse pas? Bah en fait, tu sais quoi. Dans cet endroit c'est bugué maintenant. Après elle a bugué, en fait ça a pris comme si ça avait ramassé, mais nous on voit encore les ondes. Hein, à mon avis, tu sais qu'on va quitter le serveur et on va revenir. Merde, on va quitter le serveur, on va revenir dessus, on verra plus les ondes. Parce que j'avais pas les ramasser les ondes en fait. Bah le point, après c'est les bugué, ou alors je vais regarder sur un support de Frappel et voir ce qu'ils disent un peu. Donc mes amis, on est la merde. Duke. Non mais je sais pas, je dis tout. Et si on passe le culte dessus, ils vont disparaître ou pas? C'est possible. Non, ils sont bugués, t'as rien à faire. Hop. Steak, tu peux nous parler de ton Nioland? Non, tiens, je te le donne. Non, mais parle-nous du Nioland quoi. C'est un pack de 3 Nioland je pense. Ouais. Il y a le M160, il y a le TM175 ou 175 pour les Français. Et un 190 ou 190, TM190, voilà. Mais si j'ai bien lu, c'est des reconversions du 2011 qui ont été des reconversions. Non, c'est des reconversions du 2013 qui ont été des reconversions du 2011. Maintenant, bon, ils sont pas extra, mais ils sont encore sympas. Comparé à des modes, des fois. Comparé à certains modes, je trouve que l'intérieur est très bien fait. Elle est bien fait l'intérieur, ouais, ça je confirme. Ça a peut-être aussi été skinné parce que personnellement les roues ne ressemblaient pas à ça, je pense. En fait, il y a un truc que je me souviens, c'est sur le 13, t'avais un 150 ou alors un 190, je sais plus, et t'avais une attache ajustable derrière. T'as non, ma fourche elle a pas de nouveau bugué. Oh, mais ma chienne,
de merde. Quel chibou pourri. Par contre, elle est vraiment chiante ta Julibert. Faudrait lui taper un gros tracteur pour dire qu'elle bouge plus, qu'elle ferme. 1050. Ouais, peut-être, ouais. D'ailleurs, elle ferme sa gueule. Ah, la belle, elle va se calmer. Là. Il a fait quoi ce tracteur? Pourquoi je peux pas décrocher, je m'en fous. Voilà. Alors en fait, ça m'est déjà arrivé sur une partie, la Fuchsrix Farm, elle a bugué sur la paillasse. En fait, ça m'a pris la paillasse en compte et plus moyen de la revoir. Donc je suis obligé. On va voir si je peux la prendre et aller payer avec. Enfin, je vais faire un tour avec l'autre moissonneuse. Enfin, si... Non, mais en fait, il n'y a plus rien. C'est pour ça que j'ai arrêté. Il y a peut-être gagné, non? Mais faire quoi en fait? Il y a le champ de d'orge à côté si jamais. Non, mais tu veux que je t'aide à faire quoi, Wallon? Par contre, moi je bouge plus, je vais plus accélérer. Bon, si Wallon ne répond pas, je vais pas t'aider. Allo, Wallon. Cartoman a craché. Cartoman a craché. Il va se reconnecter en connexion en carton. Le PC en carton, c'est au choix. Oh non, c'est carton de lait. Sacré épisode aujourd'hui, hein. Ils ont trop boosté sa connexion, maintenant il a plus à suivre. Ah mais en fait c'est le jeu qui sait plus suivre, en fait. Ah ouais. Il supporte pas la connexion. Donc mes amis, il y aura plus mes amis. Ah, au moment où j'ai une petite glissade, synchro. Ou alors raconte-nous une blague en attendant que ça synchronise. Il est plus au TF, je crois. Si, je vois. Ah mais il a du crash, mais il a pas quoi au crash officiellement. Ah ouais, donc là c'est ça quoi. Ouais. Ok, ouais. Ah si. Ah. Donc je disais, Wallon faisait finir une blague pendant que ça synchro, mais la Sakura est finie, donc il n'y a pas de blague. Non, mais il n'y aura pas de blague. Dans la blague. Petit ça. Il hein. y en a un, il va plus jamais venir chez moi, je pense. Dans sa tente. Oh, les amis. N'empêche, il m'a avoué avoir bien dormi. Il m'a avoué avoir bien dormi. Je dois dire que moi, j'ai été étonné aussi parce que j'ai pas eu mal au dos. À chaque fois que je dors en tente, j'ai tout le temps mal au dos. Là, je sais pas. Peut-être mon sac de couchage qui est bien confortable, on sait rien. Ah, la capacité. Bon ben, en fait, les amis, chaque fois, ça me... Et si à la place de dire ami, si tu disais, je sais pas moi, biscuit. Donc les biscuits, on va faire du blé aujourd'hui. Donc mes loulous. Non, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que je sais pas pourquoi, c'est toujours pendant une vidéo, des fois, un jour que je tourne pas de vidéo, ça crache pas. Direct quand je tourne une vidéo, ma quoi, elle se dit, bon, allez, tu tournes une vidéo, on va le faire casser les couilles. En fait, c'est comme le chat tout à l'heure. Ou tranquillement en train de déjeuner. Et puis le chat, tout d'un coup, il est pris d'un violent spasme à l'estomac et il se met à vomir. Moi, j'essaie de le faire dégager, de le faire sortir de la maison. Il a vomi alors que Wallon il t'a mis le déjeuner. A mon avis le chat il a vu sa tête, il a fait. T'es vraiment un connard. Ah c'est toi qui as déjà dit que c'était la blague. Tu m'as dit de la fermer aussi donc non. Non, je ne la ferme pas. Quand je t'ai dit ça. Par contre je dois dire sur le séjour de 24 heures où t'es passé chez moi, t'as utilisé 3 t-shirts hein. Oh il a dégueulassé 3 t-shirts de graisse hein. Ah ouais quand même. La graisse qu'on a épandue en 3. Moi j'ai changé 2 fois de t-shirt, pas 3. Non mais j'ai adoré quand même, c'est mon père qui te demande de charger la prise de force arrière de la presse. C'est côté embrayage, l'embrayage qui est foutu de la presse d'ailleurs. Ouais. Mon père lui demande de le mettre dans le pick-up, je le vois revenir sans que je sache ce qu'il a fait. Je vois il avait encore 2 fois plus de graisse sur lui qu'avant. Je fais mais qu'est-ce que t'as fait? Après je fais ne dis rien, je fais j'ai compris. Mais oui parce qu'en fait tu vois son père il sortait à ce moment là, je dis non il va pas vraiment. En fait il m'a demandé d'aller chercher son support. Et puis je dis j'ai cherché son support, dis non il y a son père qui sert, il m'a demandé quelque chose. Putain il m'a demandé quelque chose, ah là là. Et puis le pire c'est que je dis tu sais je l'ai pris entièrement, il fait non tu prends que la moitié. Et je dis ben c'est bon je peux la prendre entièrement. Putain non il a fallu que je déboîte la moitié. Comme ça après j'ai encore plus de graisse hein. Putain c'est vraiment. Vous allez à quel champ pour moissonner maintenant? Il y a le champ d'à côté normalement. Ah c'est pas Pépito là? C'est moi qui vive. Par contre tu veux pas venir m'aider un peu? Il faut presser les gars. Tu m'as pas répondu tout à l'heure. Ici tu peux venir charger. Tu veux pas presser? Bah non la presse elle a bougé. Mais t'as la presse classe?
Non, mais je resterai plus tard, t'inquiète pas. Là, je vous donne à manger les animaux, voilà. Hop. Il veut me charger, il y a une botte là, une botte de. Fais gaffe à terre, ne lâche pas le ballot. Bien au-dessus, tu mets bien le ballot parce que si tu le lâches au-dessus, elle va te revenir au-dessus, ça va encore faire un gros bordel. Donc faut le poser dedans, quoi. Ouais, faut le poser dedans. Essaye de charger le deuxième aussi après. Hop, pendant ce temps-là, je vais placer la mélangeuse qui soit en plein milieu du passage. Nickel. Hop là, voilà. Ça fait combien de temps de vidéo là, les gars? 30. 30 minutes avec 3 synchros, donc ça nous fait 5 minutes de gameplay, je pense. 5 minutes, ça va, tant que j'ai une fois en carton aussi. Bah oui. Non, mais on n'osait pas te le dire. Ah, en fait, ton PC il suppute ta nouvelle co. Non, c'est plutôt le jeu qui. Bon, pff, même sous GTA. C'est juste, bah, je sais pas si je démarrais, ça m'étonne. Voilà, ça te va comme ça? Ouais. Avec ça, je vais avoir un gros bisou. Ouais. Et en fait, maintenant j'ai activé, tu sais, sur mon clavier, j'ai une touche pour qu'il n'y ait plus d'heure Windows, tu vois. C'est bien, ça. Ah ouais, ça tu sais, sur ton clavier ça. Ouais, et j'ai un truc. Ah, je vais faire aussi. Normalement, si je passe en menu gaming, que ce truc que je ne fais jamais parce que j'en ai pas besoin. Si je fais. Attends, c'est. M, ça. Non, c'est pas ça, ça. Voilà, là je suis en gaming, donc normalement, si j'appuie Windows, ça marche pas. Ouais, voilà. En fait, si tu veux, moi c'est un truc à glisser et après je vais plus retrouver de ça, ça va me servir comme ça fait un trap. Bon. Tiens, fils de pute de veau, tiens, bouffe de la paille. Parce qu'ils ont, ils ont déjà. C'était gratuit, ça c'était gratuit. Bon, par contre, il y a trop de paille donc il faut aller au suivant. Bah, il y a plus donc je vais. Par contre, on va déposer un petit chèque. Hein, un petit chèque de la paye YouTube, hein, donc 10 000 euros à l'association des veaux maltraités. Ouais, donc par contre, à dire que. Je vois que je n'intéresse personne avec mon association de veaux maltraités. Ah, mais on n'osait pas te le dire. Donc, du coup, je vais l'offrir à l'association des porcs qui se retournent sur le dos. C'est bien aussi ça. Alors, on va chercher les bottes. Oh, tu crois qu'avec 3 bottes j'aurai assez. Pour pailler ton lit, oui, c'est sûr. Non, ouais. Pas pour pailler, pour mettre dans la tente. Non, mais pour faire un mélange. Parce que c'est. Non, il. Un 3, je pense que c'est trop. Ouais, c'est 2. Normalement, non, non, tu dois mettre 1 de paille, 2 de foin, ouais, 1 de paille, 2 de foin, et tu complètes le reste avec en maïs. 2 de foin, mais j'ai des bottes rondes en foin. Bah, y'allo. Ouh, voilà, à dire. Un des abonnés m'a fait trop rigoler. Le gars, il me fait, je plante de l'ensilage. Je dis, de l'ensilage. Ouais, sur un serveur abo, précise. Hein. Au serveur abo, oui. Il dit, je plante de l'ensilage. Je dis, de l'ensilage, t'es sûr? Il m'a dit, oui, de l'ensilage. Je dis, non, c'est du maïs. Il a fait, ah merde, ouais. Je dis, de l'ensilage, ça se pousse donc pas. Donc, le mec, il veut planter de l'ensilage. Ouais. C'est une idée en soi. On va dire, c'est un nouveau concept, voilà, c'est. Ouais. Il paraît que c'est très en vogue en ce moment, le plantage d'ensilage. Comment t'as réussi à pailler alors qu'il n'y a pas de niveau? Mais moi sinon ce que je vais faire c'est je vais essayer de développer c'est le semi direct de d'épluchure de pommes de terre. Ça il paraît que c'est très en vogue au Canada. À 13%. À dire quand je suis venu chez lui, il m'a fait t'as de la chance le jour du saumon c'est pas aujourd'hui. Bien d'accord. Est-ce que vous buguez quand on rentre dans le triangle normalement? Non, pas de problème. Tant qu'il n'y a pas trop de bottes, c'est bon. Bah, c'est pour ça que j'en ai pas fait de trop en fait. Hop. Yeah. Genre, je vais vérifier si son mélange est correct. Bah là, j'ai vu qu'une botte de paille. S'il est aux normes. J'ai vu que prendre une botte parce qu'il y a un décalage. Ah, norme NF. Normalement, je mets encore une botte de foin et puis tu complèteras le reste en ensilage. Ouais. Attends, je vais aller chercher le. Ah, mais c'est toi qui as déjà le TSCO en fait. Putain la pire. Oh le chio. Par contre normalement mais elle reste dans le jeu de pain. Par contre reste dans le jeu de dire après je vais aller prendre le bac. Je sais pas où t'as mis le bac pour le télescope. T'as combien de pourcents là? En paille je suis bon, en foin j'ai un peu de trop mais ça va se rééquilibrer avec t'as combien de pourcents de la mélangeuse? 58%. Ouais normalement ça devrait aller. Attendez parce que je vais tirer au pif parce que je sais pas quel bac va avec parce qu'il y en a un pour le tracteur et un pour le télescope. Mais moi ce que j'ai fait sur ma carrière BP non c'est qu'il y a une étagère et il y a deux étages à l'étagère donc ce que je fais c'est que je mets sur un étage les équipements tracteurs et l'autre sur l'équipement télescopique ou bulldozer.
D'accord, mais moi j'ai ce que j'ai pas fait comme toi en fait, j'ai fait les bacs en dessous et les couches au dessus. Ah, mais tu sais pas lequel est. Ouais, bah, voilà, quoi. Ça, c'est ça. Tu les essaies tous, comme les chaussures. Je suis tombé dessus le premier coup. J'y vais. Alors, on va. Ouais, oh, je viens de l'écraser. Nickel, normalement. Ça devrait aller. Hop là. Ça, vous en sortez pour la moisson en fait? Ouais, oh, bon, je finis dans du nez. Ça fait. J'ai... Dans tout le champ, j'ai fait un endroit. C'est sérieux, putain, le bon qu'on va mettre là. Je vois combien ça fait dans un endroit maintenant. Ah, oh, bah putain. Bon, ça va aller parce que ça va aller vite à ramasser. Hein. Ouais. Bon, j'espère qu'avec une mélange, je pourrais faire les veaux et les cochons. Normalement. Et après, il faudra un peu de maïs grain. J'espère qu'on a normalement, on en a pas vendu. Je pense pas, du moins. Hop là. Nickel. Tac. Ok, c'est plat. On va recruter le reste. Hop. Voilà. Alors, on monte dans le John. Alors, normalement, si le. Ah bah, nickel, le mélange, il est nickel. Le mélange est bon. Oh ouais, nickel. Normalement j'espère que je pourrais nourrir Pépiseur, bah une presse vite fait, la presse vite fait. Bah au pire à terre maintenant il faut éclairer la part, il faut ramener la presse. Amener la presse. Tu pourrais faire un test, j'ai fait un Honda. Ouais, mais d'accord, mais il faut un tracteur pour aller avec. Pour en avoir. Putain, merde, Honda. Ouais, écoute, je vais prendre le T6. Alors, est-ce que tu donnes à bouffer, sale pute? Ah, c'est bon. Oh, la violence. Mais ouais, mais la mélangeuse, elle faisait rien. Non, dis pas que je vous donnais une mélangeuse. Ah, et ben voilà, j'ai fait un retour Windows, j'ai des problèmes d'FPS aussi. Mais en ce moment, dans ton famille, c'est beaucoup, j'ai remarqué, même moi. Bah, tu vois, mais c'est un truc qui t'arrive, hein. C'est pour ça, en fait, les amis, parce que quand je suis revenu sur la partie, je tourne à 20 FPS. Bon. Là je vais aller ici, hop, bah c'est bon, j'ai pas tout donné, il me reste combien dans la benne? 63%, enfin dans la mélangeuse. Là, est-ce que ici ça va? Voilà, nickel. Ouais, c'est 30 FPS mais tout juste. Bon, tout à l'heure je suis bien descendu à 27. Ah ouais, j'ai même pas su tout mettre en fait, ah bah c'est nickel ça. Donc il nous reste du maïs grain à mettre et... Donc Ah oui, il faut mettre de la flotte aussi, j'ai oublié de mettre de la flotte. On va mettre le tracteur là-bas. Mais non, là en FPS, je suis pas bon du tout. Ça y est, je vais passer la barre des 30. Mais tu t'en fous. Ouais, je vais faire un rendu à 20 FPS. Oui, c'est sûr, oui, bonne idée. Et si tu t'en fous, si c'est à 30, je viens de te dire. Ouais, mais là j'étais en dessous des 30, j'étais vers les 22, donc c'est moche quoi. Tout à l'heure j'étais à 27. Bon, là ça va mieux. Ouais, ça va. Ouais, top, mais top, c'est la ferme aussi qui est pluguée. Hein. C'est ça qui est casse-couille sur bas, je pense. D'abord, commencer n'importe quelle sauvegarde, c'est un truc. Je t'attends. Lambda de test, j'en ai regroupé une bonne dizaine. Putain, mais le mec il est malade. Ça va être dégueulasse sur la vidéo, putain. Tant pis, ça il reste. Oula! Oh! Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est bon. Ah, sauvegarde, va te foutre. Ouais, ça doit être la sauvegarde. Vu qu'on est en plus, les amis, de nuit sur un serveur, le serveur est fait d'un câble, mais en plus, avec des mods. Et vu le nombre de modes qu'on a sur la partie, il pète encore plus un câble. Top, c'est là le carton. Carton de lait. Et tu vois tous les Honda qui restent, les Honda buggés. Ouais, ben ça c'est avec la presse en fait. Pour nous, pour la presse en fait, ils sont partis, mais je pense que dès qu'on va sur 50, ça devrait mieux. Bon, juste il y a du rendement. Bon, j'ai pas la puissance. Tiens, prends le mien sinon. Par contre, mais si, ah, ça c'est casse-couille. En fait les amis, j'ai deux écrans et ma souris elle va sur le deuxième. Non, on dit les biscuits. Oh, c'est... On va casser les couilles. Hop, normalement ce que j'aurais... What the fuck. C'est vrai, c'est Giro, faut pas toucher. Je préfère faire au joystick parce que pour m'éviter l'air tout Windows, je préfère. Alors ça pond. La fermette, il a déjà fondé un œuf.
dire pour du Alès. Regarde-moi ça. Attends, je vais voir ça. Ah. Tes petits poussins. Test concluant, les gars. Ouais, mais il est où? Au moins, il y a l'auto-chargeuse, c'est pas juste derrière. Boum, 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 boum. Oh, regarde-moi ça. T'as l'impression de presser des petits ballons. T'es malade, toi aussi. Par contre, d'ailleurs, tu vois pas comme moi un peu qu'il n'y a plus les trucs de blé? Si, que ça a écrasé. Si, si, ça a écrasé quand je passe le truc qui tourne à la toupie. Bah, c'est ce que je t'ai demandé tout à l'heure, ouais. Non, mais j'ai pas fait. Pardon, j'ai pas fait gaffe tout de suite. Ah, je pensais que tu prenais. T'as peut-être confondu avec autre chose. Bon. Il y en a encore deux à côté si jamais ADR et c'est bon. Donc, regardez, les amis, je regarde pas la ferme. Je suis à 53 FPS, je regarde la ferme, je tombe à 24, quoi. C'est n'importe quoi. Bon, alors c'est parti. Il y a du bon rendement. On va. Bah, normalement, avec. Là, je mets un godet au cochon, on va en mettre un en veau et ça devrait suffire. Bon, par contre, d'après mon compteur tour du moteur, je suis à peu, entre 100 et 200 tours minute. C'est possible ça? Non, c'est totalement impossible. Le tracteur à cette vitesse. Je me suis dit, c'est comme une voiture, c'est pas possible. Oh non, non, c'est impossible. Quand elle fume cette presse. Ouais, ça prend un peu moins ici. Hein ouais, parce que j'ai qu'à deux, j'en ai que deux. Contre la porte, elle est pas trop amérique, quoi. Mais ça en prend quand même quelques-uns. Voilà, donc il me reste bien dans le bac. LOL! Non, 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 mais tu sais combien il me reste dans le bac? Non, mais je sens que tu vas nous le dire. 26 kilos, elle a pas tué. Par contre, je sais pas si t'as regardé la vidéo qu'on a faite quand t'étais pas sur BPV2. Franchement, c'était pas mal. J'ai réussi à vider Pépito et Sticky avec une bête et à 1 kilo près, à 1 gramme près. 14 tonnes 999 et c'était la bête, elle faisait 15 tonnes. Ça c'est la tchatch. C'est la tchatch, tu l'as. Ah ouais, là c'est la tchatch. Là tu l'as eu en promotion. Ouais. Bon bah nickel, bon bah ce que je te propose c'est qu'on coupe la GoPro pour aujourd'hui. Ouais, on va couper la GoPro pour aujourd'hui, ouais. Donc, on vous laisse là-dessus. Et on vous dit à la prochaine pour un prochain épisode. Oh là, c'est encore pire. Salut. Bye. Ciao. Disco. Nickel, j'arrête. Bon, allez. Heat waves stole my emotions. I left my doubts when I was swept by the ocean. And every pulse from